Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un petit nid de frelons asiatiques un peu spécial. Je vais vous montrer ça. Je vais poser le matériel. Alors, on est sur un nid qui était dans un arbre à peu près à, on va dire, 15 mètres de haut. Donc, je vais vous montrer. Le nid était tout en haut, mais il y a eu du vent il y a quelques jours et le nid il est tombé. Et je vais vous montrer où il est tombé. Il est tombé juste là dans l'arbre. Alors du coup, au lieu d'être à 15 mètres, bah, il est à 3-4 mètres. Donc pour moi c'est quand même beaucoup plus facile. Mais on va aller le voir de plus près parce qu'on a l'impression que ça vole pas trop. D'après ce qu'il me dit le client, il me dit qu'il n'y a pas beaucoup de frelons. Mais moi j'en vois quelques-uns tourner. On va aller voir ça de plus près et je pense qu'il va y avoir un peu de monde. Allez, je m'habille et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Bah, c'est chaud avec la buée. Hein. Allez, on va monter voir ça. Regardez-moi ce nid. Donc on est le 27 octobre, vous voyez quand même du monde, ils viennent déjà sur la GoPro. Allez, on va commencer à mettre la poudre. Vous voyez quand même, il y a du monde. Un petit nid comme ça. Vous voyez, ça reste quand même dangereux. Là, il tient mais vraiment pas grand chose. Je pense qu'ils ont essayé de faire une petite réparation. Donc voilà, vous avez un nid en haut d'un arbre. Vous vous dites peut-être, c'est pas trop grave, il est très haut, il n'y a pas de danger. Il suffit qu'une fois il tombe. Là il était raccroché sur une branche, donc c'était assez haut, mais s'il tombe par terre, mais vous avez autant de frelons par terre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt les Dédés.